J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon jeudi avec nous. Le soleil est bien évidemment au rendez-vous, la chaleur aussi. On est toujours au-dessus de ces normales de saison, avec toujours ces courants continentaux qui circulent sur nos régions et cette zone de haute pression qui s'étend de l'Islande jusqu'à la Russie qui nous protège. On va donc encore bénéficier d'un temps très calme et très stable jusqu'à dimanche, fin de journée, où là déjà les premiers orages vont faire leur apparition. Mais avant ça, un vent modéré de secteur nord-est, toujours cette petite brise de mer du côté du littoral. Voyons ce qui va se passer sur l'ensemble de l'Europe pour la journée de demain avec des températures qui grimpent. C'est la maximale européenne, 32 degrés du côté de Lisbonne, 30 pour Madrid, 25 pour Bordeaux, jusqu'à 28 degrés pour Paris. Et puis on a des températures aussi élevées du côté de la Scandinavie avec entre autres 30 degrés pour Oslo. Alors pas de probabilité de précipitation pour les prochains jours. On va toujours avoir un temps très sec, retour de la pluie, je vous le disais, et des précipitations pour dimanche soir. Mais donc en attendant, cet après-midi, nous allons avoir des nuages cumuliformes qui vont venir s'installer principalement à l'intérieur des terres, un franc soleil du côté du littoral et toujours des températures très élevées de 22 à 28 degrés, 28 degrés du côté de Mons, 26 pour la capitale et également en Gaume dans le courant de la soirée. Toujours un ciel très serein avec juste encore ces nuages cumuliformes qui traînent et puis ensuite on va vraiment avoir un ciel dégagé, un temps très calme et une nuit un petit peu plus fraîche, un petit peu le même type de nuit que nous avons eu la nuit dernière, de 5 à 14 degrés. Donc profitez-en pour ouvrir vos fenêtres, pour aérer. La fraîcheur sera présente, sauf évidemment dans les grandes villes où là la chaleur a vraiment du mal à s'évacuer dans le courant de la nuit. Donc de 5 à 14 pour les minima. Demain matin, le soleil sera au rendez-vous. Et puis ensuite, exactement le même type de temps qu'aujourd'hui, un petit peu plus de nuages cumuliformes qui viennent s'installer à l'intérieur des terres. De 21 à 27 degrés pour les maxima, 21 degrés pour la côte, 27 degrés pour la région de Mons, à Coxyde 21, à Braine-l'Alleud et à Nandrin 26, à Morlanwey 27 et à Liban 23 degrés. On passe à la suite. C'est très simple, hein, toujours un temps très agréable pour samedi, avec un soleil qui va être de plus en plus voilé dans le courant de l'après-midi, 29 degrés, jusqu'à 31 dimanche, avec d'abord du soleil. Ce soleil va être voilé et puis, dans le courant de l'après-midi, on pourrait déjà avoir quelques averses locales dans la soirée. Les averses orageuses feront leur apparition. Et puis à partir de lundi, lundi matin, un temps calme. Ensuite, des averses orageuses dans le courant de l'après-midi. Et dans le courant de la soirée, une zone orageuse très active nous attend. Évidemment, plus de précisions dans nos prochains bulletins. Ça reste évidemment sous nos yeux et sous contrôle. Mardi, nous allons avoir jusqu'à 26 degrés avec période ensoleillée. Quelques averses sont également au programme. L'instabilité sera également présente pour mercredi avec des averses orageuses uniquement dans l'après-midi. Retour d'un temps beaucoup plus calme pour jeudi prochain avec de belles éclaircies. Et normalement, après ça, ce sera parti à nouveau vers un temps beaucoup plus calme. Jeudi 15 juin, c'est aujourd'hui. On fête les Germaines. Le soleil ira se coucher à 21h58. Et puis la citation, il faut être comme personne si l'on veut être comme quelqu'un. Bel après-midi tout de suite, histoire de famille.